Nous sommes avec mon frère dans la maison et dans un calme le plus plat possible. D'un seul coup, on entend un véhicule chenillé accompagné de soldats à pied autour, suivi immédiatement de tanks. Et le premier tank que nous apercevons, c'est un tank qui est équipé d'une lame-bulle. Ce qui était extraordinaire à l'époque, pour l'excellente raison, c'est qu'on ne connaissait pas les bulles. C'était quelque chose de formidable parce que au moins ça dégageait pour les autres. Ça, Et tout à ce fait. tank-là, je l'ai conservé en mémoire, était inscrit Long Island. Alors, les tanks passent, les soldats qui étaient à pied, eux, sont très regardants partout, y compris surtout. Le haut des maisons, comme des maisons avec des demi-lucarnes, ça, ils n'aimaient pas beaucoup ça. Et aussitôt que la colonne s'est arrêtée, dans le quart d'heure qui a suivi, sont passés les jeeps équipés avec des civières et qui ramenaient tout de suite les gars blessés qui venaient des tanks. Les chars arrivant par la route en direction de Provins ont tourner à droite, traverser le fossé sur le haut, et là, ils se sont mis en travers. Ils ont été touchés quand ils étaient en travers. Les tanks ont été détruits. Cette colonne qui venait de l'enlever s'arrête donc en entier. Et sa masse, et après une décision assez longue, ça a duré au moins 1 heure et demie, 2 heures, ils s'en vont direction les champs, comme le disait Morterie. Pendant ce temps-là, comme ils ont eu une résistance, parce que la résistance de ces trois chars-là a foutu la pagaille, et immédiatement, il y avait un Pupercub qui était au-dessus, qui a identifié l'endroit où ça se dirait. Et aussitôt, ils ont envoyé les Thunderbolts ou d'autres avions. Il y en avait sept, l'un derrière l'autre, jusqu'à ce que la pièce d'artillerie soit détruite. Et pendant ce temps-là, quatre canons automoteurs se sont installés derrière le village de Vulaine, dans nos champs de betteraves. Et là, ils ont tiré sur Provins. Je considère, moi, entre 100 ou 150 je sais qu'une chose, c'est qu'il y avait un tas de douilles très importants dans le champ de betteraves. Heureusement, un de ces fusants-là a traversé le dôme de Saint-Kyrias.